La flamme Marie-Claire n'est pas comme les autres. Une fois allumée, elle ne s'éteint plus, elle dure toute une vie. Cette flamme, elle brille aujourd'hui dans les yeux de milliers de petites filles au Cambodge, en Afghanistan et en France. Grâce à la vente des bougies de la flamme Marie-Claire, les fonds récoltés chaque année leur permettent d'accéder à l'éducation et ainsi de devenir demain des femmes libres de leur jugement et de leur choix. L'année dernière, 287 000 euros ont pu être reversés aux trois associations soutenues par la flamme Marie-Claire. Toutes à l'école, la chaîne de l'espoir et la fève. We walked for hours. Au Cambodge, dans un pays où l'éducation est loin d'être une priorité, une école, l'école pilote Happy Chandara, donne à 730 petites filles la possibilité de choisir leur avenir. L'idée, c'est d'accompagner les petites filles jusqu'à ce qu'elles aient un travail, jusqu'à ce qu'elles soient libres, indépendantes et qu'elles puissent choisir leur vie. Et puis, il y en a, on voit, elles sont très, très réactives, elles apprennent très, très vite, qui, pourquoi pas, iront à l'université. Et ce qu'on espère, c'est que demain, elles participent à la reconstruction du Cambodge. Happy Chandara est une chance unique pour ces petites filles. Elles y apprennent les langues étrangères. I want to be a doctor. Because I want to help people in Cambodia. L'informatique, elles bénéficient de soins et apprennent aussi les valeurs telles que la tolérance, le respect et l'honnêteté pour leur permettre de s'épanouir pleinement. Avec l'aide de la flamme Marie-Claire, l'école Happy Chandara est en passe de devenir un véritable campus. Dans les 5 prochaines années, de nouvelles classes ouvriront progressivement de la 2e année de collège à la terminale avec l'ambition d'accueillir à terme près de 1000 jeunes filles. La flamme brille aussi en Afghanistan, là où les petites filles sont les plus vulnérables, là où elles n'ont aucune chance d'accéder à l'éducation. Dans la vallée du Panjshir, un lieu préservé des attaques des talibans, l'association La Chaîne de l'Espoir intervient avec le soutien de la flamme Marie-Claire. Nous nous trouvons dans la première école pour filles de cette partie du Panjshir. En fait, aucune de ces fillettes n'avait reçu d'éducation. Leur mère était ravie que leur fille aille à l'école. Elles nous ont dit qu'elles pourraient aller à l'école et s'éduquer à travers leur fille. Ce qui est une réaction merveilleuse. Depuis 3 ans, le programme Destination École permet de scolariser 1000 écolières. Ces petites filles vont grandir. Elles vont avoir besoin de notre aide. Je crois que c'est notre devoir et notre responsabilité à la flamme Marie-Claire de ne pas les laisser tomber et de suivre leur évolution. Pour mon équipe et moi, ce sera une grande joie de les voir s'épanouir. Cette année, les fonds recueillis par la flamme Marie-Claire vont permettre la mise en place d'un programme d'alphabétisation des mamans. Une avancée essentielle pour que les petites filles continuent d'emprunter le chemin de l'école. En France aussi, la lutte contre l'illettrisme ne doit pas se relâcher. La FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, intervient chaque année dans 280 villes françaises. La FEV mobilise des étudiants et des étudiantes bénévoles pour accompagner dans leur scolarité, dans leur parcours, des enfants et des jeunes en difficulté. Avec la FEV, aujourd'hui, c'est 7500 étudiants bénévoles qui s'investissent concrètement 2 heures par semaine auprès d'enfants et de jeunes en difficulté scolaire. C'est 350 000 heures de bénévolat donc par an. Et grâce à cette action simple, concrète, d'accompagnement individuel, c'est le lien social, la solidarité qu'on réussit à recréer dans ces quartiers-là. L'action soutenue par la flamme Marie-Claire consiste en un accompagnement vers la lecture des enfants en cours préparatoire par des étudiants bénévoles. Mon rôle, en fait, c'est de l'accompagner dans la médiathèque pour qu'elle puisse se retrouver et qu'elle puisse s'approprier le lieu plus tard, l'année prochaine, quand elle saura lire, qu'elle puisse emprunter elle-même ses livres. 80% des enfants qui ratent leur CP n'iront jamais au bac. Et donc, pour nous qui luttons contre les inégalités, pouvoir intervenir avant le CP, pouvoir intervenir là où se créent ces inégalités-là, ça nous paraissait un élément important.
Les fonds récoltés devraient permettre de mobiliser plus de 1000 étudiants bénévoles pour ce programme dans 60 quartiers prioritaires. C'est pour pérenniser et développer toutes ces actions au Cambodge, en Afghanistan et en France qu'il faut se mobiliser autour de la flamme Marie-Claire, comme l'ont fait nos partenaires et nos marraines, 22 femmes journalistes de télévision. Tout le monde peut, avec la flamme Marie-Claire, redonner espoir aux petites filles. Pour qu'un jour elles deviennent des femmes libres, des mères instruites qui sauront transmettre l'éducation à leurs enfants, pour qu'une lueur brille dans leurs yeux, pour que le monde change.